pour les sorties du mois de février. Je suis un peu en retard. Je n'avais pas fait celle de janvier car j'en avais pas noté suffisamment à mon goût. J'ai mes lunettes qui sont... Oh, cracra dégoûtantes. Donc oui, janvier, j'en avais pas noté beaucoup, donc je me suis dit sortir tout le matériel, faire du montage pendant je sais pas combien de temps pour une toute petite vidéo, c'est pas... Voilà. Puis bon, j'ai déjà un peu de retard sur mon planning vidéo de toute manière. Parce que bah, étant donné qu'il n'y a qu'une vidéo par semaine, voilà, j'ai trop de contenu par rapport au dimanche de dispo dans le mois. Enfin, il va falloir rajouter des dimanches dans le mois, s'il vous plaît. Non, sans déconner. Donc pour le mois de février, j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai noté 14, vous avez vu, je sais compter jusqu'à 14. Ah, je suis tellement fière de moi. Bon, allez, on va arrêter les conneries et on va commencer pour ces sorties. Donc en date du 3 février, c'était il y a quelques jours déjà. J'ai noté le petit café des grands romantiques de Tash Shilton, c'est aux éditions EH. Je me souviens déjà ni de la couve ni de quoi que ce soit, mais bon, ça doit être une petite romance romantique, voilà. Donc, voilà. Elle a pas kiffé la romance romantique. Je crois qu'elle va nous faire comme Bella en fait. Il va falloir qu'elle fasse sa petite apparition dans chaque vidéo, elle aussi, je pense. Je pense que ça va être ça. Enfin bon, donc oui, une petite romance, parce que moi comme d'habitude, je me suis... Et moi je ne sais plus parler, voilà, je commence à être malade, donc ça commence à être sympathique. Ensuite, toujours en date du 3, The Aurora Cycle, donc le tome 2, Aurora Burning, d'Amy Kaufman, chez Casterman, c'est le tome 2 de... Je vais te voir par là. Le tome 2 d'Aurora Squad, je l'ai tripoté ce matin à Cultura. J'étais forte, je ne l'ai pas pris. Mais bon, il va falloir que je l'achète quoi qu'il arrive, ou que je me le fasse offrir. Mais voilà, parce que bah, son copain est là, donc il se sent seul parmi tous ses livres. Donc oui, celui-ci, c'est sûr qu'il reviendra, il viendra faire un petit tour chez moi bientôt. Ensuite, Angie de Marion Muraille et Loris Muraille à l'école des loisirs. J'ai déjà lu un ou deux livres de l'autrice et j'avais bien aimé. Enfin, donc voilà. J'essaye de. Je suis un petit peu addict à Steph de Piketty Bulkin et voilà, un petit peu gangrénée avec les Muraille. Ensuite, en date du 4, American Royals, le tome 2, donc Majesty, de Katharine McGee. J'ai lu le premier tome, donc il me faut ce second tome. Voilà. Ça doit être chez Lumen. Ensuite, Éclat d'étoile, donc un tome 1, Éclat du scorpion, de Neil Schusterman, chez Robert Laffont. J'avais adoré Dry, du même auteur, donc... Voilà, mais bon, ça serait encore une nouvelle saga. Je vais en finir cette année. Regretting, c'est compliqué avec le dé qui commence à se boucher et la gorge qui gratte. Hein. Regretting You de Colleen Hoover chez Hugo Roman. Celui-ci aussi, je l'ai tripoté ce matin. Mais les Colleen Hoover, je n'achète plus en grand format neuf. Voilà. Mais, et je pense que je le prendrai en... e-book parce que Colleen Hoover, j'ai été un petit peu, voilà, je vais vous en reparler dans le prochain update lecture que j'ai tourné. Je l'ai pas tourné, non, je l'ai pas tourné, je sais plus ce que je fais en ce moment, mais non, je pense pas que je l'ai tourné parce que je l'ai fini il y a pas très longtemps, maybe now, donc on en reparlera d'ici quelques temps, mais voilà. Les Colleen Hoover, je les note, j'aime toujours en avoir en stock, mais peut-être que ça changera d'ici quelques mois, je sais pas trop. Là, je suis un petit peu désappointée.
Ensuite, Magic Charlie, le tome 2 d'Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Je ne sais plus trop le nom, je ne l'ai pas noté le nom de ce tome 2, mais je l'ai eu celui-ci aussi, je l'ai tripoté. Il est trop beau. Et il est assez épais, hein, mais voilà. J'ai le tome 1 qui est là, par là-bas. Date du 11. J'ai noté Jonas de Lily Harker chez Hugo Newway. J'avais dû lire le résumé cette fois-ci. Mais voilà, les Hugo Newway m'intéressent de plus en plus. Je trouve qu'ils font un bon choix de publication. Donc je me suis noté celui-ci. En date du 14, Blood of Silence, l'intégrale 1 de Marie Rage. C'est une saga voilà, qui me fait terriblement envie. Il y a une tonne de tomes. Alors pourquoi pas prendre directement un intégral? Hein, tant qu'à faire, je sais pas. Enfin, j'ai eu un petit peu la folie des intégrales en ce moment entre Rebelle du désert, Grisha, qui est ma lecture en cours. J'ai quoi d'autre comme intégrale? Bah, vous avez les larmes rouges. Ah bah, si, vous voyez, il est là. Enfin, et Marie Rage, j'aimerais en lire beaucoup plus, mais enfin voilà, j'y pense pas forcément. Mais là, sors de là. Bah oui. Tu cherches à faire une bêtise là. Je le sais, je le sais, je le sens. En date du 17, My Only Exception, tome 1, est là. De Delinda Dane, c'est chez Black Ink. Delinda Dane, j'ai envie de découvrir un petit peu ce qu'elle fait. Mais bon, c'est encore une saga. Donc il faudrait peut-être plus que je lise un one shot. Si, il y a possibilité. Mais bon. Toujours au 17, Grimoire Noir de Vera Greenty, chez Glénat. Ça doit être un superbe beau livre, je pense. En date du 24, Vers le soleil de Julien Sandrel chez Calman Levy. J'avais lu en audiobook le. Il y a Merveille dedans. Je crois. Je sais plus. Mais j'avais adoré Je l'avais adoré. C'était tellement poignant, tellement touchant que voilà. Donc voilà. J'aimerais bien relire un autre titre de l'auteur. Season of the Storm d'El Casimano chez De Saxus. Bah voilà, la couve est magnifique. On en entend déjà beaucoup parler en VO. Donc voilà. Cette petite histoire de saison qui se bat en duel, voilà, voilà. Ça m'intéresse grandement. Bah, de toute manière, on a un petit peu tous la folie, tous et toutes la folie de Saxus en ce moment. Hein? En date du 25, j'ai noté The City of Brass, le tome 1, d'Evabad, de S.A. Chakraborty. Et c'est encore chez De Saxus, enfin voilà. Je pense que toutes les sorties de Saxus rejoindront ma bibliothèque un jour, j'aimerais bien. En version reliée, ça serait tellement. Mais bon. Je me les note à chaque fois parce que je trouve qu'ils font enfin, ils sont magnifiques et ils donnent tous envie d'être lus, ces livres. Donc voilà pour mes sorties du mois de février. Mais bon, clairement, il faut que je me calme un petit peu au niveau des achats. Voilà, parce que moi, congé parental dit. moins de thunes tous les mois, hein, voilà. Donc on va faire un petit peu plus attention, puis de toute manière il va falloir que je vide mes pales, hein, puis étant donné que j'ai déjà du mal à lire, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à lire, enfin, c'est un petit peu la merde en ce moment, mais ouais, il va falloir que je vide un petit peu, hein, parce que bon, bah, si on veut aussi déménager d'ici peu, ça serait bien que je fasse un petit peu de place, hein, parce que bon, les cartons faut les porter, hein. Donc voilà pour ces sorties du mois de février. Dites-moi si on a des sorties communes. Mais je pense. Mais ouais, j'ai été faire un petit tour à Cultura ce matin et ouais, j'ai tripoté un petit peu. C'est pas bien, hein, mais. J'ai tripoté un petit peu. Ils font tellement de belles couvertures en ce moment, je trouve. Mais je les trouvais pas super achalandés, quoi. J'ai pas vu beaucoup de Saxus. J'étais déçue, hein. Franchement,
Et ouais, non, même le rayon jeunesse, enfin, je l'ai pas trouvé top, enfin, je sais pas. Je sais pas si ils ont réduit un petit peu le personnel parce qu'il n'y a peut-être pas forcément grand monde, je sais pas. Mais je sais pas. Enfin bon, bref, il y a Bella qui tourne partout là, je sais pas ce qu'elle cherche, mais. On dirait un lion qui rôde là, ou un tigre. Qu'est-ce que tu fais, ma puce? Qu'est-ce que tu cherches? Tu chines. Non, 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 non. Je t'ai, ma grosse. Ouais, ma peau. Oh, bah oui, maman, tu t'occupes plus de moi maintenant. Bah oui. Oh, t'es grosse, hein. Je lui remplis son bol de croquettes tous les jours, quoi. C'est hallucinant. Hein? Tu fais du gras, hein? T'es comme ta mère. Ah, pardon, tes poils là. Allez. Oh. Mais j'ai toujours cette fâcheuse manie de lui faire des bisous. Et je le regrette à chaque fois. Et j'imprime pas. Voilà. Ah. Ah, c'est l'horreur. Au secours. Oh, il faut que je la tombe. J'en peux plus. Allez. Ah, je me sauve. C'est de ma faute. Bon allez. Ciao. I made room for you in here. A place where you'd hide your tears. You said you were done searching, we were done hurting. Leave those lonely lovebirds. I made room for you in here.